Je m'appelle Christian Jouot, je suis breton et j'ai été exploitant agricole pendant 40 ans en Bretagne. J'ai participé au développement du modèle breton agricole et donc j'ai eu à utiliser beaucoup de pesticides dès tout jeune dans mon enfance. Et donc j'ai été touché deux fois dans ma vie, mon épouse en a pâti et moi je souffre aussi d'un cancer. Je suis membre d'une association qui s'appelle Soutien aux victimes des pesticides, un collectif qui s'est mis en place quand les gens de Triskalia étaient à la recherche de soutien. Et donc Michel Bénard, qui est notre président, avec quelques autres personnes, a mis en place ce collectif. Enfin, je trouve complètement inacceptable qu'on continue d'utiliser des pesticides. On a fait on a utilisé le principe de précaution pour 4 canards qui sont morts, on a tué 12 000 canards, on a fait plein de choses à partir du principe de précaution et je trouve que vraiment il n'est rien fait pour les pesticides. On continue à en utiliser de façon exponentielle puisque la quantité de pesticides utilisés tous les ans augmente. Et il faut absolument que tout ça s'arrête parce qu'il y a trop de gens qui sont touchés dans leur vie, quoi. Et puis ça fait des dégâts aussi bien à la nature qu'aux êtres humains, donc il faut que ça s'arrête. Bien évidemment, je soutiens la marche, je considère que le travail qui va être fait de vulgarisation des méfaits liés à l'utilisation des produits chimiques et pesticides de toutes sortes est indispensable à faire, et donc je considère que la marche là a toute sa raison d'être pour ces raisons-là.